Ok. Tolobito zoleni samanano sur la prière. Ben Thomas a répété dans nos écritures wana lisusu. Il y a 2 Corinthiens 6 le verset 7. Ok. Amen. Ok. Tolobina 2 Corinthiens, chapitre 6, le verset 7. Paul Azotali Sabiso, sur les armes défensives et offensives. En d'autres termes, Awatoza déjà nakati. Na domaine ya bitumba. Na domaine ya bitumba. Lobi to lendi samaki. Kotalisa ke na Genèse chapitre 15. Obandi na verset 13 ozo kita même ti na verset 18. Kolo alobie pa Abraham. Alobie pa Abraham ke postérité na yo. Eko zwa mboka, eko zwa mabele ya kana, eko posséder mabele ya kana. Ata bako séjourné, bako sala mikolo na Egypte. 4 siècles, mengai moko mkolo na kubimisa bango, pe bako posséder la terre de Cana. Et tomoni pe Israël a ke déportation, a ke bohumbu n'Egypte. A sali mikolo ebele, 4 siècles. 100 multiplié par 4. Mais quelle que soit durée ya mikolo, le kolanzamba lobaka bakobima, suka suka babimaka. Yango na tanyo sotolobake, oyo nyonso nzamba loba, ata makambo eselevé, ba problème, ba difficulté, ba bitumba. Et qu'on empêche te au Nzambe à l'oba à prometta pour na yo. Kolo Yesu Kristo pambula moko na moko. De babima, bazui marche, bazo kende vers le pays de Cana, pour bakota en possession ya mabele. Mais on peut remarquer, avant bazo possession ya mabele, malgré la promesse, mais pour être promesse, ça la matérialiser. Sengela kina no babunda. Babunda, enfin que promesse oyo Nzambe apesaka bango par Abraham et la Tanzoto. Dès la tango tozo ya na Ephésiens chapitre 6, le verset 12. Biso tozo bunda na nzoto te. Tozo bunda pe na makila te. Mais tozo bunda contre les esprits méchants, les autorités, les principautés. C'est-à-dire aujourd'hui le combat ezali susu ya nzoto te. Lelo le combat tozo bunda par la prière. Kolo Yesu Christ apambola moko na moko. Pour dire tout simplement que malgré que tu as une promesse, yanzambe, mais pour être une promesse, tu as une palpe, tu as une bika, yango, et là, tu as une autre, et tu as une autre. Alors, biso siko to komi,
babundi nde mobundi aza lokola cheval oyo ezalaka ekipe aza ekipe par les armes défensives et les armes offensives omoni mobundi aza cheval oyo aza ekipe mazalaka ekipe po ete azala victorieux na bitumba il faut azala na bibundeli d'attaque bibundeli d'attaque yango babengaka les armes offensive bibundeli oyo ezopermettre eke yaatake tokomona yango na écriture bibundeli oyo yaatake aza mpe na bibundeli oyo ezopermettre eke ase défendre par exemple dans les écritures bibundeli yako se défendre okokozwa par exemple cuirasse okokozwa par exemple casque munguna akoki kolanse yo batre baflèche mais soko oza na cuirasse oza na casque okozala sécurisé wana ezodéfendre yo bibundeli wana mais en dehors ya bibundeli wana oyo moto azo se défendre eza mpe na bibundeli oyo ya attaque c'est-à-dire ozo atake mpenza munguna ndenge David atakaki Goliath voilà et lelo tokozwa kaka ata ebundeli moko to mibale oyo ya attaque c'est-à-dire les armes offensive ok parmi babibundeli ya batake tozozwa ebundeli moko toza na livre ya genèse chapitre 27 le verset 3 toma kotanga genèse chapitre 27 le verset 3 tozwa ebundeli moko to mibale par la grâce de Dieu amen 27 Genèse 27 ok ok maintenant donc je te dis prends tes armes ton carquois et ton arc dans ton champ et chasse moi du jeu ok okosuka wana omoni Esaou il fanda kende ko attaquer mais akende ko attaquer pour être azwa nyama ba arme oyo azozwa wana ce sont les armes offensives ezo permettre ye a attaquer pe ako akozwa nyama lelo oyo biso mpe toye na nzela losambo afin que tozwa mpe lisusu quelque chose mais po ete Esaou azwa quelque chose azwa nyama il fallait azala na arme et arme wana ezalaki arme offensive ya attaque mpe nazoyebisa yo yo mpe na tongwa lelo yo de la même manière Esaou akendaki mpo ete azwa nyama mais il fallait azala na arme yo mpe soki omemi arme wana okozonga te ndenge yo oyaki kolapambolo na kombo na yesu kristo nde Esaou azwi arke arke etambolaka yango moko te arke etambolaka na flèche pour dire tout simplement que Esaou na ntango azozwa arke azozwa mpe lisusu na flèche soki oye na livre ya genèse chapitre 6 esika wapi bazolobela biso sur baso premier so na ntango efungwami bamoni moto moko amati likolo ya punda ya pembe
Mais azala qui na arke na ye. Ba branamiste ceux qui va tanger critique wana balobaka. Azaka kana arke me flèche zate lukuta. Arke tambolaka toujours na flèche. C'est-à-dire ce qu'on moni arke yeba ki flèche ezali. Selon quelle écriture? Ésaïe chapitre 13, le verset 18. Thomas a écrit Tirouane. Ésaïe chapitre 13, le verset 18. Le verset 18. Amen. Ok. Oko sukano wana. Écriture wana Ésaïe 13 le verset 18 elobi de leurs arcs ils abattent les jeunes gens. Est-ce que mutuka kana arc ya pamba kokiko boma batu? Arc ya pamba soki omemi yango ekoko boma batu te, mais kuna balobi de leurs arcs ils abattent les jeunes gens. Bazo boma batu menanzela ya ba arc. Par là, tu comprends que l'arc atambolera toujours la flèche. Alors, na premier saut, ce qu'on monte cheval ya pembe, cavalier zana arc, comprendre que arc wana flèche pesani. Mais total ici boye, Ezaou pour être azwaniama, il faut zala na arc. Il faut zala pe na flèche. Lelo na losambo oyo ye soki oyaki na arc oyaki na flèche yo po kozonga na nyama na yo na kombo na Yesu Kristo. Sikoyo arc na écriture la kisaka nini oyo biso pe photo ya nango na flèche eza parmi les armes d'attaque offensive. De ce qui te suit, Jérémie, chapitre 9, le verset 3, n'a répété Jérémie, chapitre 9, le verset 3, on a écrit Rebengaka, Mounokonabiso, Oyezalaka, Arke. Bonjour, madame, hein? Bonjour, bien, tu as dit ça. Tozo lendi sa pouete exhortation oyo, li lendi si oyo, e eveye yo, e la moussa yo nan moukye, o sambela na kondima. Sambela na kondima. Mounoko ezalaka ark. A, parlant à comprendre que, nenge nzamba pesa biso mounoko, a pesa biso arme mobimbe, au moins, il y a des gens qui sont bien équipés. Ils ont bien équipé du fait que nous avons appelé ça le monoko. Est-ce que vous avez bien? Ata par rapport à la chair, au moins, les militaires sont bien armés. Les armes sont ici dans les autres, les revolvers. Mais yo pendengo zalaka ndengo wana zalaka très bien armé. Wete premier arme nanu nzamba pesi yo ezane munoko na yo. Kola pambola yo. Parce que monoko eza arc. Même monoko tambola ka yango mokote, arc tambola ka ye mokote, arc tambola ka na flèche. Ezaou pour être à Zouaniama, il faut qu'il y ait un arc, mais il faut qu'il y ait une flèche. De cet alors, à Zouaniama. Nazoye Bisayo, premièrement, le colosan à Mounoko, baki sa flèche. Soko baki si flèche, dans le sambalelo, na bitumba oyoye, au cousin à Nengue Yoyakite. Kola pambola yo.
Des flèches ezotalisa oyebimaka na kati na arc. Soki monoko eza arc oyebimaka na kati na monoko Matthieu 4:4. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche. Pour dire na monoko, lokola arc, flèche oyebimaka na monoko, c'est la parole. Pona pambola yo. Voilà pourquoi tozo lobake monoko oyo nzamba salango te pona kotonga. Monoko oyo nzamba salango te pona kolobela batu mabe. Mais monoko oyo nzamba sala yango, il faut bimisa ba déclaration. Voilà pourquoi esika toye lelo yo na losambo toye na arke na biso eza monoko mais toko bimisa maloba. Maloba o toko bimisa yango na nde flèche. Nde na nzela ba déclaration maloba yo poko kanga nyama na yo. Nyama o yo kokanga bosenga oza nango liboso na Nzambe. Kolo Yesu Kristo pambola yo. Voilà pourquoi Isaac il faut yebisa. Ezaou zwa arke na yo. Zwa flèche yelanga nyama. Pour dire que tata zala ki penza na silence ke soki ezawu ake na arc ake pe na flèche akozonga maboko pambate yo soki oye na munoko na yo wana oye pe na ba déclaration liboso na Nzambe okozonga maboko pambate losambo nange ezali ke nyonso ayaki na arc na ye ayaki pe na flèche na ye ozala disposé pona ko prononcer maloba liboso na Nzambe. Nzamba sale leo bolamu ozonga pamba tena kombo na Yesu Kristo. Sikoyo tozo banda losambo.